et bienvenue sur ma chaîne YouTube Imanims. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais répondre à vos questions que vous me posez souvent sur Instagram qui sont les suivantes. Imen, comment faire pour perdre du poids ou comment faire pour prendre du poids? Sous-entendu, perdre de la graisse et prendre du muscle majoritairement. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo sur YouTube pour vous expliquer tout ce que vous devez savoir pour prendre du poids ou perdre du poids de manière saine et durable. Avant de commencer, si vous voulez que j'aborde d'autres sujets prochainement sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous ne voulez louper aucune de mes vidéos, je vous invite à vous abonner. Dans cette vidéo, on va aborder les notions de base de la perte de poids et de la prise de poids. Donc, commençons par le début. Vous avez votre apparence physique actuelle et vous devez consommer un certain nombre de calories pour garder cette apparence-là et garder votre poids actuel. Cette consommation va dépendre de votre âge, de votre poids, de votre taille et de votre activité physique. Par exemple, si votre corps dépense 2000 calories dans la journée, vous devez lui apporter également 2000 calories pour que vous puissiez garder votre composition corporelle stable et actuelle. Donc on est dans un parfait équilibre entre dépenses caloriques et apport calorique. Donc dans le cas d'une perte de poids, on va chercher ce qu'on appelle le déficit calorique. C'est consommer moins de calories que notre corps n'en dépense. Donc ça passe par l'alimentation, effectivement, on va pouvoir diminuer notre apport calorique à travers l'alimentation. Toujours dans l'exemple de nos 2000 calories, si mon corps dépense 2000 calories, je vais lui apporter légèrement moins que 2000 calories. Alors attention, j'insiste là-dessus, on ne réduit pas drastiquement le nombre de calories dans notre journée. Alors adieu les régimes où on vous fait passer de 2000 calories à 1000 calories, ou alors les régimes où on vous fait manger que de la salade verte. Ça, vous pouvez oublier parce que vous n'allez absolument pas durer dans le temps et en plus, ce n'est absolument pas bon pour votre santé. Donc, je reviens sur cette histoire de déficit calorique. Donc, on diminue légèrement à travers l'alimentation. Souvent, on dit qu'il faut diminuer entre 10 et 15%, pas plus, du moins au début. Et ensuite, on réévalue et on rediminue légèrement si besoin. Mais on commence par 10-15 %. Et il y a un autre moyen d'aller creuser ce déficit calorique en parallèle. C'est d'augmenter les dépenses caloriques à travers une activité physique. Donc ça peut être du sport effectivement, mais ça peut être également ce qu'on appelle le NEAT, donc toutes les activités quotidiennes, aller marcher, descendre d'un arrêt de bus un peu plus tôt pour continuer à marcher, aller au travail à vélo, etc., etc. Monter les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, enfin voilà, toutes ces petites choses qui vont faire que vos dépenses caloriques vont augmenter dans votre journée. Et le déficit, donc, se creuser un petit peu plus. Et le fait de combiner les deux va faire que vous allez avoir des résultats plus rapides, plus efficaces et beaucoup moins contraignants que de rester focalisé sur vos calories à consommer ou alors à vous tabasser au sport et à en oublier l'alimentation. Combinez les deux, équilibrez les deux et creusez votre déficit calorique progressivement jusqu'à atteindre votre objectif. Maintenant, si votre objectif est de prendre du poids slash du muscle, voilà, vous allez être vigilant à ce que votre apport calorique soit plus élevé que votre dépense calorique. Je m'explique. Reprenons l'exemple des 2000 calories. Si mon corps dépense dans la journée 2000 calories, je vais faire en sorte qu'il ait un apport calorique plus élevé que 2000. Donc pareil, on augmente progressivement au fur et à mesure jusqu'à atteindre notre objectif. Bien souvent, on accompagne notre objectif de prise de poids ou de prise de masse musculaire avec du sport. On augmente également nos séances de sport, de musculation, à la salle ou à la maison. Et ça, il faut le prendre en compte également. Veillez toujours avoir ce rapport entre apport calorique supérieur à dépense calorique. Donc si j'augmente mon activité physique, j'augmente mon apport calorique via l'alimentation. Pour finir cette vidéo, je voulais vraiment que vous reteniez aussi des points importants qui sont les suivants. Un point hyper important dans votre processus est de vous focaliser sur la qualité de vos repas et pas toujours sur la quantité. Effectivement, quand on veut perdre du poids, on va devoir peut-être diminuer les quantités, mais pas toujours. Vous allez voir qu'il y a également des aliments qui ont des gros volumes et qui vont vous apporter une sensation de satiété assez rapide. Vous n'êtes pas toujours obligé d'avoir faim quand on est en déficit calorique, loin de là. Il y a des aliments à connaître et vous allez voir que ça peut être intéressant dans la préparation de vos repas. Et à l'inverse, quand on est en surplus calorique, qu'on veut prendre du poids, on n'est pas obligé d'être dans un sentiment d'être gavé, d'avoir le ventre lourd. Il y a également des aliments qui sont très caloriques et qui ne sont pas spécialement lourds dans notre estomac. D'ailleurs, ça peut être le sujet d'une prochaine vidéo si vous souhaitez connaître les aliments que je conseille dans la perte de poids ou la prise de poids. Le dernier point hyper important va être la régularité. Effectivement, on ne se met pas en déficit calorique comme on ne se met pas en surplus calorique sur une semaine ou deux. C'est vraiment un processus
qu'on met en place progressivement et qu'on met en place sur le long terme pour avoir des résultats rapides, certes, mais sains et durables surtout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que mes conseils vous auront aidé et surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Si vous souhaitez m'aider et me donner un petit coup de pouce, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à partager cette vidéo autour de vous, ça peut toujours servir. Alors voilà, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.